Madame, Monsieur, bonsoir. Nous aurons ce soir une édition spéciale d'Encounter, une édition en langue française. Nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Lioté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France en visite à Maurice. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé de notre chère petite île ? De rencontrer les sœurs qui travaillent avec nous en Grande Loge féminine de France, de pouvoir découvrir ce qu'elles font et de pouvoir échanger ensemble. Alors, les loges féminines, les sœurs, il y en a beaucoup à Maurice. Combien de loges vous avez de la Grande Loge féminine de France à Maurice ? Nous avons 3 loges en Grande Loge féminine à Maurice, dont une qui a la particularité de travailler en anglais. Et nous avons 120 sœurs sur l'île Maurice. Alors, votre visite, c'est une inspection. Vous avez trouvé des choses qui ne vont pas bien. Comment ça se passe ? Non, ce n'est pas du tout une inspection. La grande maîtresse vient juste rencontrer les sœurs pour échanger parce que l'île Maurice, c'est un peu loin du territoire français et de temps en temps, peut-être qu'elles se sentent abandonnées ou pas de se sentir assez proches. Elles sont abandonnées pour la grande maîtresse ? Non, pas du tout, justement, c'est ce que je veux leur faire dire. Et qu'avec les nouvelles technologies, justement, on a trouvé des moyens de pouvoir échanger ensemble aussi. Mais là, par la présence physique, c'est toujours beaucoup mieux d'avoir ces rencontres humaines. Et bien, comment ça s'est passé durant la pandémie, durant la Covid ? Comment ça s'est passé ? Et bien, comme nous, comme tout le monde, on a appris à se servir d'un nouvel outil qui est la visioconférence. Ouais. Et ce nouvel outil nous a permis, non pas bien sûr de faire nos tenues, mais de pouvoir garder le contact et faire certains travaux philosophiques qu'on pouvait échanger ensemble ou nos commissions pouvoir travailler ensemble. Alors, quand un grand maître vient à Maurice, quand une grande maîtresse vient, c'est toujours la même question et on se désole peut-être de ne pas avoir une réponse qu'on souhaite. C'est quoi la franc-maçonnerie ? Et aussi ce qu'elle n'est pas. Alors, ce qu'elle n'est pas, c'est surtout pas une secte, parce que chez nous, il est plus difficile de rentrer que d'en sortir. C'est avant tout une école de questionnement. C'est pouvoir réfléchir, se donner du temps à soi pour pouvoir réfléchir à se dire quelle est notre place dans l'univers ? Quelle quête j'ai envie ? Ou qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et tout ça à l'aide du regard des autres, d'un échange et d'une confrontation permanente. Alors, quand vous dites questionnement, quel type de questions que vous vous posez ? Alors, on se questionne déjà sur nous-mêmes. Qui suis-je ? C'est le « connais-toi toi-même » que l'on connaît très bien. Et puis, on réfléchit sur certains thèmes philosophiques tout ensemble, mais aussi sur des problématiques de société actuelle. Alors, de la croyance populaire, on se dit qu'il y a des rites secrets, il y a des pratiques occultes. C'est quoi, juste ? Où en est-on avec la croyance populaire, un peu ? Alors, je pense que c'est une croyance populaire, ce sont des préjugés qui ont la vie dure. Donc, on essaye systématiquement de parler, de dire par nous-mêmes que c'est une école qui permet d'avoir ce retour sur soi-même pour aller justement à l'extérieur, porter ce qu'on a pu réfléchir et, comme on dit chez nous, transmettre à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temple. Alors, est-ce qu'il y a un secret que vous ne pouvez pas dévoiler, un secret entre vous bien gardé et à ne jamais dévoiler ? Je vais vous faire un scoop. Allez-y. Aujourd'hui, exceptionnellement, le secret de la franc-maçonnerie, c'est qu'il n'y en a pas. Ah, d'accord. Tout est dans le vécu. On ne peut pas expliquer ce que nous vivons. Il faut pouvoir être maçon pour pouvoir comprendre. C'est une épreuve initiatique. Donc, comment pouvoir raconter ce que l'on ressent ? Je vais vous faire un exemple. Vous avez vu des récits d'accouchement, de femmes, des choses. Tout est marqué dans les films, il y a des livres, il y a tout. Mais est-ce qu'une femme pourra vous exprimer ce qu'elle a ressenti au moment où son enfant est sorti? Ce n'est pas possible. Ce sont des sentiments qui ne sont pas transmissibles. C'est ça, la maçonnerie. Le secret de la maçonnerie, c'est quelque chose de très intime que l'on ne peut comprendre que par le vécu. Sinon, tout est dans les livres, ne vous inquiétez pas. Alors, quand vous me dites tout ça, alors, par exemple, vous-même, essayons de dire qu'est-ce que vous avez vécu depuis que vous êtes entré. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que vous avez découvert? Quels sont les sentiments, les émotions que vous avez vécues, si on peut mettre ça comme ça? Si on ne parle pas du secret, on parle du parcours. Tout à fait. Je pense que ce que j'ai compris, c'est que
on avait toutes des capacités en nous et qu'on ne pouvait peut-être pas, qu'on ne savait pas les mettre en avant. Et c'est par le regard de l'autre, par des façons de travailler que nous avons ensemble, qui nous permettent de prendre confiance en soi et de pouvoir justement d'être une femme qui arrive à prendre sa place, toute sa place dans la cité. Alors, j'en reviens à ma question. Votre vécu vous-même, avec votre initiation, qu'est-ce que ça a motivé, a déclenché chez vous, si on peut dire ? Alors, pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas fait, par exemple, de grandes études, j'ai abordé des sujets que je pense que je n'aurais jamais pu aborder. Par exemple ? Par exemple, certains philosophes. Je n'avais pas fait de philosophie et j'ai découvert certains philosophes auxquels je me suis intéressée. Sur des sujets de société, par exemple, toutes les notions de bioéthique que je ne connaissais pas, je me suis inscrite au sein d'une commission d'études qui travaille sur la bioéthique et j'ai découvert, grâce à des sœurs qui étaient des expertes, des choses sur la bioéthique, mais on a toujours besoin du regard de celle qui ne connaît pas et c'est cet échange permanent qui permet de progresser. Il y a aussi question de la fin de vie. Il y a un débat en France en ce moment, justement. Alors, nous avons, puisque là, la Grande Loge féminine de France, par les pouvoirs publics, est reconnue comme famille de pensée. Nous avons été auditionnés par la Convention citoyenne, par les parlementaires, sur cette thématique. La Grande Loge féminine de France ne prend jamais une position, mais évalue là toujours par rapport au principe de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est de cette façon-là que nous avons présenté nos conclusions. Alors, au fond, pour résumer, c'est quoi la mission de la formation ? Le perfectionnement de soi pour pouvoir aller vers un perfectionnement de l'humanité. Vous pensez que ça a pu se concrétiser, le perfectionnement de l'humanité au fil des années ? Il faut toujours être utopiste. Oui, c'est l'utopie qui fait avancer le monde et nous y croyons. Et vous voyez qu'il y a plus de fraternité dans ce monde avec les nombreuses loges qu'il y a, tant féminines que masculines ? La fraternité, oui, elle se vit au quotidien. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais elle existe, elle est réelle. Et nous la mettons en pratique dès que l'une d'entre nous a un souci ou quelque chose. Ou alors, quand nos sœurs en humanité ont des problèmes, par exemple, lors du tremblement de terre en Turquie, nous avons, il existe une grande loge féminine de Turquie. Nous sommes rapprochés d'elle pour pouvoir aider les femmes qui avaient, les femmes et les hommes et les enfants, à pouvoir aider cette population qui a été si durement touchée. Alors, faut-il croire en Dieu pour être franc-maçon ou franc-maçonne ? Ou dans l'histoire, il y a eu des différences entre l'Église et la franc-maçonnerie ? Est-ce qu'il y a une croyance en Dieu ou pas ? Alors, nous sommes, nous, une obédience adogmatique. Donc, oui, nous refusons les dogmes, mais la religion fait partie de l'intime de nos sœurs. Donc, chacune a la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Nous ne parlons pas de religion, mais nous sommes plutôt dans une quête spirituelle et chacune a cette démarche de la façon dont elle le souhaite. Alors, un peu d'histoire. Parlez-nous brièvement. On comprend qu'à l'origine, il y avait surtout des loges masculines. Mais qu'est-ce qui a motivé, allons dire, 2, 3, 4 siècles auparavant, qu'est-ce qui a motivé un groupe d'hommes à vouloir créer la franc-maçonnerie ? Je pense que quand on parle de la franc-maçonnerie moderne, c'est-à-dire le siècle des Lumières, c'était vraiment cette notion qui est la devise, liberté, égalité, fraternité. Donc, il n'y avait pas ces valeurs-là avant et la franc-maçonnerie est venue avec ces valeurs-là. Ces hommes-là, au départ, étaient portés par ces valeurs qui n'existaient pas. On le savait bien comment il y avait cette notion qui n'existait pas de l'égalité. Et donc, ils ont voulu mettre en pratique ces valeurs qui leur semblaient absolument essentielles. Alors, j'en viens au communiqué de presse en marge de votre visite. Je cite, « S'engager à la Grande Loge féminine, c'est être attentive à la promotion des femmes, au respect de leurs droits et dignités, pour enfin se libérer de ce joug millénaire de notre infériorité. » Donc, vous pensez qu'il y a donc un joug millénaire d'infériorité qui perdure ? Ah, je pense que ça a la vie dure. Ouais. On essaye. La Grande Loge féminine de France a été créée par des femmes qui voulait justement une émancipation de la femme. C'est l'ADN de la Grande Loge féminine de France. Donc, je pense que
ça perdure et peut-être que même nous-mêmes, nous en sommes pleinement imprégnés et que nous devons aussi nous libérer par nous-mêmes de ce joug. Alors, vous arrivez à vous libérer ou c'est encore des sociétés patriarcales qui imposent cette vue, cette vision patriarcale? On essaye vraiment d'y travailler, mais c'est quand même des siècles et des siècles de cette pression. Mais on essaye de, comme on dit maintenant, de casser des codes. Des progrès ont été réalisés? Je pense que des progrès sont réalisés. Oui. On voit bien que la nouvelle génération, au niveau des tâches ménagères, arrive à avoir plus d'équilibre. Mais malgré tout, on sait bien, et on a vu pendant la Covid, que la femme, une fois de plus, a eu, je dirais, pendant la Covid, une double peine, parce qu'elle avait toute la problématique, l'école à la maison, le télétravail, la gestion du quotidien. Alors, pour poursuivre sur ce même thème, militantisme, alors, dans le concret, comment vous pouvez aider, contribuer à réduire les inégalités et surtout l'aspect douloureux des violences envers les femmes? Est-ce que la Grande Loge de France a un engagement, peut aider pour réduire? Même en France, on parle souvent des féminicides, tout ça, des violences. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'aider à voir ce problème et aider à résoudre? Alors, nous avons une commission d'études qui est une commission des droits des femmes au sein de la Grande Loge féminine de France, où les sœurs réfléchissent, apportent des témoignages, parce que nous, il y a aussi chez nous des femmes qui ont malheureusement eu des et qui en parlent. Et nous essayons justement par ces témoignages, par ce rapport à l'intime qu'elles peuvent livrer, essayer de pouvoir apporter, si nécessaire, aux autorités, les idées sur des choses à améliorer. Nous rencontrons régulièrement la ministre déléguée aux droits des femmes, quand il y en a dans nos gouvernements, pour leur faire compte, rendre compte de nos travaux. Et ça a apporté des changements positifs? On espère. Maintenant, vous savez bien, nous proposons, et le gouvernement choisit de faire ou de ne pas faire, et qu'il y a toute une complexité sur ces questions. Alors, justement, un peu pour aller un peu plus loin de ce même thème, avec la mouvance du mouvement MeToo, de dénoncer les abus sexuels. Alors, la GLFF a-t-elle apporté une contribution aussi dans les cas de harcèlement aussi? Alors, on a... De la mouvance MeToo. On n'a pas apporté une contribution, mais on a cessé de dire qu'il fallait que la parole s'exprime. Nous sommes des femmes de parole, puisque c'est tout notre outil, nous faisons tout par la parole. Et donc, il faut que les femmes, et c'est ce qu'on veut par cette recherche d'émancipation, puissent prendre la parole, s'exprimer et donner tous les moyens qu'il faut à ces femmes de dire, écoute, moi, il m'est arrivé ça, on peut l'accompagner, on peut essayer de l'aider pour aller porter plainte ou essayer de voir avec certaines associations comment on peut être des relais. Oui, et je veux dire, il y a une action active des loges féminines pour aider dans ce problème-là? Alors, en tant que telle, non, mais nous avons énormément de sœurs investies dans les associations et c'est par ce biais, justement, le biais du colibri, on va porter un petit peu partout tout ce que l'on a réfléchi et apporté. Et nous avons des femmes qui sont très actives et dans les milieux associatifs et même dans certains milieux politiques ou médiatiques. Alors, on croit comprendre que la franc-maçonnerie a été longtemps une affaire d'hommes. Laisse à comprendre que dans l'essence même, au début et durant des décennies, pour ne pas dire des siècles, les femmes étaient exclues de étant inférieures aux hommes dans la franc-maçonnerie? Ah, la constitution d'Andersen, qui sont la fondation même de la franc-maçonnerie anglo-saxonne, précisait bien que les fous, les athées stupides et les femmes ne pouvaient être franc-maçons. Ah là là, on avait exclu les femmes dans, exactement. Dans toute l'histoire, oui. Exactement. Donc vous voyez qu'on est parti très très loin. Hein. Mais je pense que maintenant, nous avons réussi à prendre notre place et que nous sommes reconnus dans le paysage maçonnique comme, je dirais, des ouvrières de haut niveau. Quand vous me parlez de la constitution d'Andersen, mais cet aspect a été enlevé? Les fous et tout, y compris les femmes, ça a été enlevé maintenant? Pour les obédiences dites non, qui ne sont pas régulières, qui sont adogmatiques, ils s'en sont dégagés. Mais il y a effectivement certaines obédiences qui restent dans les constitutions d'Andersen
et qui ne veulent toujours pas recevoir de femmes. Comment est née la franc-maçonnerie féminine ? Bah, par la volonté de femmes. Alors, au départ, les femmes ont vraiment voulu savoir ce que leur mari faisait dans ses loges, bien sûr. Elles se sont rendues compte aussi que ça améliorait l'homme avec lequel elles vivaient. Donc, elles ont cherché à comprendre. Elles ont essayé d'ouvrir des portes, de pousser des portes. Il y a eu la création d'obédience mixte. Et puis, après, pour notre part, nous avons eu l'appui de frères qui ont décidé que nous pourrions être des maçonnes à part entière. Et nous étions ce que nous appelions en loge d'adoption, ce qui nous a permis petit à petit de pouvoir prendre notre autonomie en 45. Donc en 45, vous me dites que l'essor des loges féminines, dans d'autres pays aussi, comment ça a été si... Alors, c'est toujours, la Grande Loge féminine de France a été la mère des autres obédiences. Donc partout dans le monde, nous avons essaimé des grandes loges féminines. Alors, dites-nous, Catherine Liotet, est-ce qu'il y a aujourd'hui des rencontres entre les loges masculines et les loges féminines ? Comment ça se passe ? Oui, alors nous avons certaines obédiences masculines avec lesquelles nous nous entendons et nous pouvons travailler ensemble tout à fait régulièrement. Il y a des loges mixtes ? Il y a aussi des obédiences mixtes avec lesquelles nous partageons certains travaux. Oui. Alors, autre aspect, il y a donc la croyance populaire qui veut que la franc-maçonnerie fait des lobbies sur les gouvernements, fait de l'influence pour la prise des décisions. Qu'en est-il ? Je pense que là aussi, ça fait partie des idées. Il y a eu effectivement une certaine influence sous la Troisième République, mais je pense que depuis les lois de Pétain et tout ce qu'on a subi, ça s'est largement... ça n'existe plus. La loi de Pétain ? La loi de Pétain, c'était les décrets qui sont parus condamnant les francs-maçons et qui sont parus bien 2 jours avant les décrets contre les juifs. Donc, on était vraiment... Les maçons et les maçonnes étaient très ciblés, déjà. Donc, je pense que cette influence, justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a maintenant cette notion que vous avez qualifiée de secret. Et nous, on dit, on préfère rester discrète. Voilà. Peut-être que cette notion de discrétion est ce qui fait qu'il y a eu aussi que certains hommes politiques n'ont pas mis en avant qu'ils étaient francs-maçons pour faire avancer des lois, parce qu'il y avait il y a eu cette histoire qui a été très lourde et encore très pesante. Alors, donc, à ce moment-là, vous parlez de la Seconde Guerre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de tortures, de déportations des francs-maçons ? Tout à fait. Les francs-maçons et les francs-maçons ont été déportés. Tous nos dossiers ont été saisis et ils sont partis en Russie. En Russie ? Oui, oui. Et c'est les nazis qui les avaient pris, ils sont partis en Russie. Oui, tout à fait. Et alors, les Russes ont fait un très gros travail de classification et nous avons réussi à récupérer, il y a quelque temps, ce que nous avons appelé les archives russes. Nous n'avons pas tout récupéré, mais nous avons récupéré des documents. Alors, autant pour les loges féminines que masculines ? Tout à fait. Oh là là, oui. Donc, actuellement, il y a la crise en France avec la réforme des retraites, les manifestations violentes, ça vous interpelle. Comment pensez-vous qu'il y aurait une sortie de crise ? Je ne suis pas politicienne et je ne veux pas l'être. Mais avec un regard de citoyenne, je pense qu'il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est le dialogue, l'écoute de l'autre. Il n'en a pas en ce moment ? Peut-être que pas suffisamment. Mais d'un autre côté, il faut faire très attention à notre démocratie. Nous avons aussi, peut-être, faut faire attention à ce que la démocratie soit respectée. Oui, elle n'est pas respectée, selon vous ? En fait, c'est ce que disent des manifestants et des syndicalistes aussi, des fois. Je pense que, à l'heure actuelle, nous avons un système qui est une représentation parlementaire. Et cette représentation parlementaire, peut-être qu'il y a eu certaines obstructions qui ont évité, qui ont empêcher qu'il y ait ce fameux dialogue. Il y a aussi cette croyance que les francs-maçons et les francs-maçonnes sont des hommes ou des femmes modèles. Alors, c'est quoi le comportement exemplaire d'un franc-maçon ou d'une franc-maçonne ? Alors, une franc-maçonne, c'est une femme ordinaire avec une exigence en plus. C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps dans l'exemplarité et toujours se dire qu'il faut qu'on fasse le mieux pour soi-même et pour les autres. Et ça se fait dans le concret ? Nous essayons de mettre en pratique, mais nous ne sommes que des femmes et des hommes, donc des êtres humains. Donc, effectivement, de temps en temps,
peut y avoir certaines choses qui ne se font pas normalement, mais nous essayons au maximum d'être dans l'exemplarité. Alors, des deux côtés, les sœurs et les frères, alors, avec votre action, vous pensez que vous avez apporté un peu plus de fraternité et moins d'égoïsme dans ce monde ? Je pense qu'au niveau de la franc-maçonnerie et des francs-maçons, il y a certainement ce regard qui est plus tourné sur l'autre, sur l'altérité, sur cette recherche de bienveillance et de pouvoir avoir un regard de paix. Et ça vient, ça progresse. On l'espère. Sur la paix, c'est très compliqué, mais au moins qu'on ait cette paix intérieure qui permet de pouvoir se sentir mieux et de pouvoir transmettre aux autres justement un peu ce sentiment où on se dit, cette femme, elle a quelque chose qui n'est pas ordinaire, elle parle différemment, elle a une écoute différente. Deux dernières questions, Catherine Dioté. Alors, si quelqu'un nous regarde, elle est intéressée, vos propos l'ont interpellée, si elle veut entrer en franc-maçonnerie, c'est difficile, quelle est la démarche? Alors, si elle veut rentrer en franc-maçonnerie, tout simplement, ben maintenant, on est aussi dans la modernité. Oui. Donc, nous avons en Grande Loge Féminine de France un site qui permet de prendre contact. Nos sœurs de Maurice, qui sont très dynamiques, ont créé une adresse mail. Si vous m'autorisez, je vais vous la communiquer. Allez-y. glff.maurice@gmail.com. Et elles envoient un message en disant qu'elles souhaitent rencontrer quelqu'un et elles vont être mises en rapport avec une sœur qui va pouvoir peut-être leur affiner un petit peu leur démarche et leur expliquer un peu mieux qui nous sommes. Alors, si au bout d'un cheminement, une sœur ou un frère se trouve mal à l'aise et se dit « bon, c'est pas ma place », comment ça se passe? C'est difficile? Comment ça se passe? Tout simplement, déjà, on en parle un peu entre nous. Et si on sent que vraiment, elle n'est pas à sa bonne place ou que ça ne lui convient pas, elle envoie gentiment un courrier et elle nous quitte. Dernière question, Catherine Lyoté, alors que serait selon vous aujourd'hui un monde sans la franc-maçonnerie? Ça serait un monde sans un espace de liberté absolument essentiel pour pouvoir trouver un sens à sa vie et avoir un espace de réflexion pour soi-même. Catherine Lyoté, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. J'espère que donc notre audience s'est intéressée à la franc-maçonnerie, aux grandes questions d'aujourd'hui. Merci et bonne soirée. Merci et bonne soirée à vous toutes. Au revoir.